Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais voir, en fait, il y a un article qui est sorti sur Loudwire qui est, ils essaient de décider qui est le gros 4 de chaque sous-genre de métal. Donc dans 27 sous-genres de rock et métal, bon, ils en ont fait 17 pour le métal, donc on va se concentrer sur eux. Les autres, on est un peu moins intéressés. Enfin, moi, je suis moins intéressé, donc tu vas faire ce que je te dis et tu vas m'écouter parler sur un sujet. Qui sont les gros 4 dans les 17 genres de métal qu'ils ont fait? On va voir si j'ai le même avis ou si j'ai des avis divergents avec ces gens-là de chez Loudwire. Mais on va bien voir. Bon, le gros 4, on sait tout ce que c'est. Enfin, le Big Four, j'arrête pas de dire gros 4, le gros 4, c'était nous. Le Big Four, c'était les gros groupes de trash qui ont fait une tournée aux États-Unis, enfin un peu dans le monde aussi. C'était Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax. Voilà. Pour faire simple, au moins on est situé. Big Four du New Wave of American Heavy Metal. Mouvement popularisé au début du 21e siècle. Les gros groupes actuels, il y a qui? Il y a Slipknot. Alternative Metal, Thrash Metal, Hardcore Punk, Metalcore. Ok. Groupe Metal. Avenged Sevenfold. Les gros groupes ricains, qui c'est qui pourrait y avoir? Lamb of God. Et en dernier, qui c'est qui pourrait y avoir encore? En groupe ricain. Peut-être Deftones. Peut-être Deftones, moi je vais aller là-dessus moi. Alors, Slipknot en premier, ok, ça c'est cool, bon ça surprend personne. Bon, American Heavy Metal, oui si, c'est mieux là-dedans, j'allais dire, ils ont peut-être une catégorie néo, mais enfin Slipknot n'a jamais été vraiment un groupe de néo, on va dire, par peut-être le début du groupe, mais ça c'est juste un peu l'époque qu'ils le voulaient, ils n'étaient pas complètement néo non plus. Avenged Sevenfold, ça surprend personne, c'est ils essayent de plus ou moins d'être Metallica, ça on le savait bien, on l'a bien vu. Lamb of God, Lamb of God que j'ai commencé à écouter quand j'avais 15 ans, je crois, 14-15 ans, un truc comme ça, donc c'est cool qu'ils soient reconnus un peu pour le niveau qu'ils ont. Et le dernier, Trivium, ok. D'accord, bon ça pas du tout attendu à ce que ça soit ça. Ils sont gros certes, je pensais pas qu'ils étaient du même niveau et du même ressort que les autres groupes dans cette catégorie. Death Metal. Morbid Angel, Cannibal Corpse, Death. Putain, qui c'est qui pourrait être le quatrième? Est-ce que c'est Death? Est-ce qu'il va y avoir une catégorie Death Metal mélodique? Est-ce qu'il va y avoir Tech Death? Parce que là, ça pourrait être plein de trucs. Ça pourrait être plein de groupes qu'ils en ont pris un qui est plus moderne que d'autres. Bah, tu pourrais mettre Black Dahlia Murder dedans, mais Black Dahlia Murder, c'est bien plus Death Metal mélodique que Death Metal. Donc ouais, c'est compliqué. En gros, Deicide. Enfin, c'est ça. En fait, le problème, c'est s'ils sont complètement classiques, c'est Death, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Deicide. C'est sûr, c'est obligé que ça soit ça. Et s'ils ont mis un groupe un peu moderne, il y aura Black Dahlia, mais je sais pas qui c'est que ça va. Qui c'est qui remplace? Parce qu'en plus, Black Dahlia, c'est devenu death mélodique, mais c'était un peu plus deathcore un peu au début, mais c'est compliqué. Bon, pas death. Ça surprend qui? Sérieusement, les mecs s'appellent death, ils font du death metal. C'est un des meilleurs groupes de tous les temps. Voilà, tout simplement. Il a juste à voir son coup, Cannibal Corpse, Morbid Angel, bien sûr. C'est mon groupe préféré de Death. Après c'est Cannibal Corpse. Et en dernier, Black Dahlia Murder, voilà. Ils sont synonymes avec le Death Metal mélodique. Voilà, c'est ça. Mais cool qui. Alors, prog metal. Alors, on pourrait avoir Dream Theater, Tool. C'est encore le truc, c'est qu'ils essaient de mettre des trucs plus récents. Parce que s'il y a des trucs plus récents, moi je mettrais Between the Buried Enemy. Et le quatrième, j'en sais rien. Dream Theater, personne n'est surpris que Dream Theater se retrouve dans ce classement. C'est normal. Quand même un peu. Putain, Opeth. Oh la honte. Putain, Opeth. Mais oui, bien sûr. Bah oui, et bien sûr. Bon sang, bien sûr. Opeth quoi. Queensryche. Bon, pour être honnête, je connais très mal, j'ai très peu écouté ce groupe, donc je m'attendais pas, parce que j'aurais pas mis ça. J'imagine qu'il y a quand même des plus gros groupes plus intéressants. Enfin, peut-être pas plus gros, mais il y a des groupes plus intéressants en prog à écouter. Et Between the Buried Enemy, ok, ça c'est cool, ça c'est trop bien. Ce groupe-là, si t'as jamais écouté ce groupe-là, à écouter, comment il s'appelle, Coma Machine, Coma Ecliptique. On va écouter cet album, génial, incroyable. Néo-métal, une catégorie néo-métal. Bon, Korn, il n'y aura pas Slipknot parce qu'ils étaient déjà dans un truc. Linkin Park, Limp Bizkit, et en dernier, Deftones. Jonathan Davis, ok, là on est tous d'accord. Donc quand même un peu
plus ou moins inventé le style. Linkin Park, voilà, bon, bah, ça dépend, hein, quelle partie de la carrière. Si tu vas sur le début, oui, sur la fin de carrière, c'est juste une catégorie, ils auraient été juste en rock, on va dire. System of a Down, fuck. Ok, d'accord. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ouais, du coup, bah. Alors, le prochain, c'est obligé que ce soit Limp Bizkit. Ouais, Limp Bizkit, donc Deftones doit être dans une autre catégorie. C'est obligé que Deftones soit dans une autre catégorie, mais tu le mets bien dans la tête, hein. Ok, Goth Metal. Typo négatif, et voilà, c'est tout ce que je connais rien d'autre de ce style de métal. C'est pas du tout le mien, j'y connais que dalle en général, donc. Typo négatif, et après. Voilà, typo négatif, ok. Him, ok, ouais, bah. J'aurais pas dit que c'était un groupe de métal. Cradle of Filth. On met ça dans le gothique. Ok, et la Kuna Coil. J'avais même pas que ça se mettait là-dedans. Grindcore, Napalm Death, Dying Fetus, Cattle Decapitation. Je sais pas si tu les mets dans Grindcore. Napalm Death, Pig Destroyer. Ben oui, putain, Pig Destroyer. Mais je suis con, bien sûr. Rotten Saint. Ah ouais, bah putain, j'avais pas pensé du tout. Pas pu, pou. Nazum. Oh la honte, j'ai oublié Nazum. Ah bah là, nul, 1 sur 3. Alors Doom Metal, c'est vraiment pas mon point fort comme gothique, hein, on va dire. Et bah encore mon Grindcore apparemment aussi. Candlemass, c'est à peu près un seul genre, seul groupe. Il y a peut-être My Dying Bride. Electric Wizard, c'est pas plus stoner ça. Candlemass, ok, tout va bien. My Dying Bride, ok, aussi. Ensuite, c'est quoi donc, Paradise Lost, je connais le nom du groupe, je crois que j'ai jamais écouté. Certains de ces groupes, va falloir que je les écoute de toute façon, et... Ah, Electric Wizard, ok. Oui, oui, ils sont. Enfin, ils reconnaissent qu'ils ont. Qu'ils représentent le côté Stoner Sludge du Doom. D'accord. Pas complètement faux non plus ce que j'ai dit. Ok, Deathcore. Deathcore. Whitechapel, Suicide Silence, Job for a Cowboy. Thyard is Murder? Bah, c'est les 4 groupes auxquels je pense qu'on me dit Deathcore. Ouais. Whitechapel, ouais. Surprise 0, c'est normal. Ensuite, Suicide Silence, ok, ouais, tout va bien. Thyard is Murder, oui. Bah oui, ouais. Et en dessous, bah, attends, c'est qui, hein, c'est Job for a Cowboy, voilà. Le P Doom de Job for a Cowboy, rien que ça, c'était sûr qu'ils allaient se retrouver dans ce top. Thyard is Murder, c'est un des plus gros groupes en ce moment dans le style. Chant. Meshuggah, Periphery, Tesseract, Animals as Leader. Leur tête de merde. Meshuggah, un de mes groupes préférés. Ok. Periphery, un de mes groupes préférés. Animals as Leaders. Si jamais t'as l'occasion d'aller voir ce groupe en live, fais-le. C'est un truc de ouf. C'est vraiment n'importe quoi. Et surtout, regarde le batteur. Mon dieu, le talent du mec. Et. Ah, c'est Tesseract. Tesseract, ouais. Tesseract, c'est normal qu'il soit là aussi parce que. Ils sont là depuis le début dans le style. Je me rappelle écouter les démos de Tesseract quand c'était que instrumental et qu'on pouvait que les choper sur MySpace à l'époque. La première version avec un chanteur, avec Abby, qui pour moi reste le meilleur chanteur qu'ils aient jamais eu. Tous les autres qui ont remplacé n'ont jamais été aussi bons que le mec de la première démo. Si t'arrives à trouver la démo avec le premier chanteur, j'ai une voix de ouf. Modern Metalcore. C'était le temps des Synchids de MySpace. Ok. Bring me the Horizon. Architects. T'es sûr de ces groupes-là, de cette scène. Parkway Drive. Dead Dog et Springs Red, qui ont sorti à peu près au même moment, là. Sans surprise, Bring Me The Horizon. Ok, d'accord. Un peu chelou d'appeler ça Modern Metalcore, alors que c'est un groupe qui a commencé en... Enfin, premier album, il est 2006, comme c'est écrit. Le premier EP, il avait sorti un peu avant. Enfin, c'est pas des... C'est plus moderne qu'on va dire que le Metalcore qui a commencé dans les années 90 avec Earth Crisis et tout ça. Et les débuts de Converge, mais quand même, on n'est pas sur un moderne. Les modernes en ce moment, c'est Silent Planet, Era, c'est ces groupes-là, quoi. Tous ces groupes qui refont exactement le même rythme de Doomsday, de Architects tout le temps. Architects, ouais, normal. Bring Me, on dit tout le temps que Bring Me est en avance sur tous les autres. Tous les groupes copient Architects, par contre. Quand Architects a sorti Doomsday, le metalcore s'est réinventé encore une fois. Quand ils ont sorti Hollow Crown, tout le monde s'est mis à faire le même genre de riff. C'est Architects qui détermine ce que fait le metalcore en général, je pense. Bring Me, ils vont chercher des trucs chelous, ils font plein de trucs, et surtout en fait ils sont fluides de genre, parce qu'ils vont faire de la pop, ils vont faire du metal, ils vont faire de... Tu sais jamais ce qu'ils vont sortir. Architects détermine un peu ce que fait toute la scène. Donc Architects, c'est clairement... Enfin, c'est normal qu'ils soient là. Under Oath, ok. J'aurais pas mis dans Modern Metalcore, je les aurais mis dans Screamo ou Post-Hardcore ou un truc comme ça, mais pas du tout, je m'attendais pas du tout à les voir là, donc c'est soit Parkway Drive, soit Goosebumps Red après. Parkway Drive, ok. Logique. Même si je n'aime pas du tout ce groupe, c'est logique qu'ils soient là, ils sont quand même
un très gros groupe et ils ont énormément fait pour la scène, on va dire. Industrial Rock and Metal, Rammstein, Nine Inch Nails, Rob Zombie. Je suis nul. Fear Factory. Voilà, on va dire ça. Train 13 Nord, bonjour. Till Lindemann, bonjour. Ok, Rammstein. Putain, Ministry, mais bien sûr, putain, je suis con. Ministry, bah ouais. Et Fear Factory. Ok, d'accord. Donc c'est quoi que j'ai dit, moi? Oh, j'ai déjà oublié. Black Metal, Emperor, Immortal, Dark Throne, Enslaved. Mais putain, j'ai oublié, mais... Emperor, ok. Dark Throne, ouais. Et Enslaved. Bon, 3 sur 4. C'est pas mal. Hair Metal, Motley Crue, Twisted Sister, Poison, Guns N' Roses, Motley Crue, ça surprend personne. Def Leppard, ouais. Poison, ouais. Et Twisted Sister, cool, ok. Power Metal. Je m'excuse, Niels Courbaron, mon ami, je n'y connais rien du tout. Glory Hammer, Hammerfall, Dragon Force, Epica, j'en sais rien, je sors des noms là, j'en sais rien en fait. Halloween, je vais m'écouter, Sabaton, ah bah oui, Sabaton, gros con. T'es qui toi, tu... Blind Guardian, ouais, si tu le dis, jamais écouté. Dragon Force, ok. Ouais, deux, j'en ai eu deux, non, j'en ai eu un, parce que je suis une grosse merde. Symphonic Metal. Ah, d'accord, ça va être là. Epica, Within Temptation, Nightwish et Jean-Michel. Nightwish, Within Temptation, Flash Guard Apocalypse. Putain, Apocalyptica, d'accord. Traditional Metal, Maiden, Judas. Si on prend vraiment depuis le début des fins des années 60, Black Sabbath, Maiden, surprise de personne, Judas, normal, Sabbath, bien sûr. Ah d'accord, Ozzy il y est deux fois. D'accord, bon, bah oui, en même temps, oui. Ok, d'accord, tranquille. Le mec est deux fois dans la catégorie. Metalcore, ah, voilà. Version plus jeune, enfin plus vieux encore. Donc, Killswitch Engage, Converge. J'ai envie de dire Norma Jean, mais ça c'est moi, parce que bon, c'est ma grosse influence. C'est une de mes grosses influences, mais je sais que c'est pas dans un Big Four. Killswitch Engage, Dillinger? Killswitch Engage. Converge, oui. Dillinger Escape Plan, très bien. Et As I Lay Dying, putain, mais oui, je suis con. Jean-Jean Muscu, Jean-Jean essaye de faire plus la femme. T'en as eu combien? Est-ce que t'as réussi? Est-ce que t'es aussi nul que moi? J'en sais rien, mais voilà, c'est des petites vidéos intéressantes parce que c'est cool à voir. Oui, je sais qu'il y a des trucs plus intéressants à dire, mais on les garde pour la revue de la semaine. Parce que hein, y a des trucs qui sont arrivés là depuis quelques jours. Mais on les garde pour la revue de la semaine. T'inquiète pas, ça arrive. A plus. C'est moi, Jamie, tu me reconnais, j'étais dans la vidéo juste avant. Alors si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais si surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé, regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial, super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout, c'est regarde celui-ci. Celui-ci, il est encore plus grand, il est encore plus beau, il est plus musclé. Je le veux. Oh, essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos, partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut !